Super casting, Karine fait des révélations sur la saison de l'amour et dans le pré. C'est super. Depuis 2010, Karine Le Marchand présente l'amour et dans le pré sur M6. Avec l'ajout verbal qu'on lui connaît. En effet, l'animatrice phare de la chaîne. Au même titre que son meilleur ami Stéphane Plaza, n'a pas sa langue dans sa poche et elle l'a encore prouvé dans le dernier épisode de la saison 17 de L'Amour est dans le Pré diffusé ce lundi 14 novembre 2022. Alors qu'Alain Le Breton, séparé de Marie-Ange depuis la fin de l'aventure, lui a lancé cash, je suis célibataire. J'ai envie de vivre les années qui vont venir bien et si je rencontre une personne. Ça serait magnifique, regarde, on est tous les deux. On discute, ça coule. L'ex de Liliane Thuram a répondu, oui mais non, on ne couchera pas ensemble. Je te le dis tout de suite. Le message, très clair, est passé, mais Karine Le Marchand n'est sûrement pas à sa dernière tentative de drague de la part d'un agriculteur puisqu'elle prépare actuellement la prochaine saison de L'Amour est dans le Pré. Alors que l'émission de dating, pleine de rebondissements, vient à peine de se terminer. La chaîne privée est déjà sur la prochaine saison. Très présente sur ses réseaux sociaux et proche de sa communauté. Celle qui présente aussi la France a un incroyable talent depuis 2020 a fait quelques révélations aussi discrètes que croustillantes. Dans une story Instagram, cette dernière a, en effet, poster une photo dévoilant la page de couverture du document présentant la deuxième partie des portraits de la saison 18 de L'Amour est dans le Pré, et rajoutant légende dernier jour de tournage. Super casting. Je pleure, je ris. Point. En attendant la diffusion à la télévision pour le plus grand bonheur des millions de téléspectateurs. Karine Le Marchand donne donc des indices sur la future saison, qui s'annonce d'or et déjà bouleversante.